à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, vous qui nous regardez. Moi c'est Océane, bienvenue dans l'épisode numéro 5 de l'émission Curl Talk. Curl Talk a pour but de mettre en lumière des personnalités publiques afro-descendantes dans tous les domaines, afin de vous faire découvrir leur parcours de vie sous le prisme de leurs cheveux. Vous l'aurez compris, ici, on met en avant des personnalités et des sujets qui ne sont pas assez représentés dans les médias traditionnels. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être avec la cofondatrice aux multiples facettes de la marque Evazer, Eva Biasou-André. Bonjour Eva. Hello Océane. Comment tu vas? Ça va et toi? Bah écoute, super, et je suis hyper honorée, comme je disais, de t'avoir parmi nous, donc merci à toi d'avoir. Bah moi pareil, je suis ravie, merci beaucoup d'avoir pensé à moi du coup pour cette petite émission, c'est génial. Pour celles et celles qui découvrent Eva, Eva Biasou-André est une jeune femme ambitieuse. Son entreprise Evazer, en moins de 4 ans, a dépassé la barre du million de chiffre d'affaires et se dirige même vers le marché nord-américain. Avant de commencer l'émission, je tiens à remercier le salon Studio Book Paris qui nous permet de pouvoir tourner tous nos épisodes Curl Talk. Donc n'hésitez pas à aller voir leurs réseaux sociaux et de checker car ils sont spécialistes dans les cheveux afro, bouclés, frisés et crépus. N'hésitez pas à donner de la force à l'émission en likant, en commentant, en partageant et en vous abonnant, ce qui nous permettra de créer encore plus de contenu. On démarre tout de suite. Dans Curl Talk, on a l'habitude un petit peu que nos invités se présentent eux-mêmes. D'accord. Donc je te laisse, c'est ton moment de te présenter de la façon dont tu le souhaites. Ok, parfait. Alors du coup, je m'appelle Eva, j'ai 33 ans, je suis mariée, j'ai un enfant et je suis chef d'entreprise, donc la cofondatrice de la marque Evazer, qui est une société de produits cosmétiques capillaires pour le soin des cheveux crépus, frisés et bouclés. C'est une société que j'ai lancée en septembre 2019, du coup, avec mon époux. Maintenant, on va un petit peu remonter dans le temps. D'accord. Parce que là, du coup, tu nous parles un petit peu de ton parcours qui est déjà incroyable. Parce qu'en France, il faut savoir quand même que les marques qui concernent le cheveu afro, moi, comme j'aime le dire, donc les cheveux crépus, bouclés, frisés, ça reste encore minoritaire. Après, tu me diras si tu es d'accord ou pas avec le mot que j'emploie. Mais j'aimerais qu'on revienne à la toute petite Eva. Eva, j'aimerais que tu nous décrives un petit peu cette photo de toi et que tu nous dises déjà dans un premier temps où est-ce que tu as grandi. Oui. Dans quel cercle familial et surtout quel était leur rapport avec ton cheveu? D'accord. Alors du coup, par rapport à cette photo, je pense que j'ai 3-4 ans. Moi, j'ai grandi dans le 93. Donc en fait, les toutes premières années de ma vie, là, c'était à Villemomble. Donc je suis issue d'une famille, maman solo, parce que mon père est décédé lorsque j'avais l'âge de 2 ans. Donc au départ, on habitait à Villemomble. Et ensuite, on a déménagé puisque du coup, j'ai un grand frère plus une petite sœur. Donc, on habitait dans un petit studio, ça devenait trop petit. Donc ensuite, on a déménagé à Aulnay-sous-Bois. Donc, j'ai grandi au 3000 jusqu'à l'âge de mes... quand est-ce que je suis partie? Quand j'ai rencontré mon mari. Hein, donc, du coup, je suis restée toute ma vie, on va dire. Je suis partie à l'âge de 25 ou 24. Et aussi, je voulais savoir par rapport à tes cheveux, quel était le regard qu'avait ta maman peut-être dessus? Et toi-même, après là, t'étais vraiment toute petite, mais dis-nous-en un petit peu plus par rapport à ça. Alors, par rapport à mes cheveux, c'est vrai que lorsque je suis née, moi, j'étais chauve. Donc, ma mère, elle désespérait un petit peu parce que mes cheveux prenaient énormément de temps à pousser, voire ne poussaient pas. Bon, sur la photo, ils commençaient à sortir un petit peu, mais c'était vraiment pas gagné. C'est pour ça qu'en fait, c'est marrant parce qu'à chaque fois, lorsque les gens regardent mes vidéos sur YouTube, ils me disent « Ouais, mais toi, c'est la génétique avec tes cheveux. » Je dis « Ah non, franchement, absolument pas. Je suis née chauve, j'ai pas eu de cheveux pendant très longtemps. » Après, ma mère, c'est une femme qui travaillait énormément, qu'elle essayait de faire du mieux qu'elle pouvait et qu'il y avait régulièrement aussi ma tante qui me coiffait du coup. Est-ce qu'elle te faisait des coiffures protectrices? Est-ce que c'était quelque chose qui prenait de la place ou pas vraiment? C'est vrai que ma mère, du coup, elle, lorsqu'elle me coiffait, j'ai constaté qu'elle me coiffait avec mes vrais cheveux. Par contre, lorsqu'on allait chez nos cousins et que c'était ma tante qui me coiffait, là, elle me mettait des rajouts. Et c'est vrai que les rajouts, c'était mieux, surtout pour moi qui n'avais vraiment pas beaucoup de cheveux. Ça tenait plus longtemps. Et puis, vers l'âge de 8 ans, parce que du coup, j'ai aussi eu l'opportunité d'échanger avec ma tante, du coup, à ce sujet-là. C'est elle qui m'a défrisé les cheveux et elle m'a dit que voilà, en les défrisant, ça commençait à pousser un peu mieux. Voilà, ils sortaient un petit peu plus. La longueur, on la voit. Voilà. Maintenant, on va avancer tout doucement dans le temps et on va passer du coup à la prochaine photo de toi. Donc celle-ci, Eva. Oui. On voit que tu deviens une jeune fille sur cette photo. Tout à fait. Est-ce que tu veux bien dire l'âge que tu as et du coup l'évolution de tes cheveux et
tout ce qui en suit. Alors là, du coup, c'est vrai que je suis pré-ado. J'ai environ 12 ans, 11, 12. Par rapport à mes cheveux, ben, ils sont toujours petits, hein, ils sont toujours courts. Là, ils étaient défrisés. Donc, on me faisait des petites tresses que je gardais longtemps, que je gardais des fois 2-3 semaines. Et puis ensuite, on me les lavait et puis je rebelote. Je me souviens des séances de défrisage. Je me souviens des coiffures protectrices, des petites tresses hein, que j'aimais vraiment faire. Je demandais souvent à ma mère de me faire cette coiffure-là. La chance que j'ai eue, en fait... en grandissant dans le 93, donc dans les 3000, c'est que ben, du coup, la diversité est majoritaire. Donc dans la classe dans laquelle j'étais, on était au moins 8. je me souviens, à chaque rentrée, je comptais les personnes noires. Mais on le fait tous de toute façon. Ah ouais, moi, okay. du coup, c'était total inverse, okay. Vraiment. Et je cherchais du coup les personnes noires et métisses du regard. J'étais en mode, ok, on n'est même pas deux. Donc moi, ça, c'est humain. C'est normal de chercher des gens qui nous ressemblent. Mais ça, du coup, c'est la chance que j'ai eue en grandissant dans le 93, dans un endroit qu'on appelle vraiment très défavorisé, où l'échec scolaire, vraiment, il est très élevé. Mais en tout cas, il y avait beaucoup de gens comme moi. Mais malgré tout, j'avais quand même des copines blanches et je ressentais quand même peut-être des fois l'envie d'avoir des cheveux lisses, des cheveux qui bougent. Mais après, c'était passager quoi. Ouais. Vu que j'avais jamais vraiment vu ton aspect naturel, ou je me trompe, oui. Toutes ces années-là, tu l'avais jamais touché, jamais senti. Tout à fait, j'avais jamais touché, senti, puisque quand on m'a défrisé les cheveux, j'ai dit 8 ans, mais je pense que c'était plus jeune, hein. C'était peut-être 7 ans, parce que je me souviens vraiment pas. Là, c'est quand je suis passée revenue au naturel à l'âge de 24 ans, c'est vraiment à cette période-là que j'ai découvert ma véritable nature de cheveux. Avant ça, je ne savais absolument pas comment ils étaient. Autant j'avais des copines blanches et je me disais, ah ouais, c'est joli, c'est fluide, ça bouge, mais en même temps... Pas voilà. Plus que ça. Ouais, parce que j'avais aussi des copines noires, donc... T'avais quand même une certaine confiance en toi, confiance malgré en... tout. Enfin... Par rapport à mes cheveux, mmh. Moi, de nature, j'étais pas une personne qui avait confiance en moi. Donc, j'avais pas confiance en moi pour d'autres raisons, du coup. Mais c'est vrai que les cheveux, ouais, c'était pas... J'en faisais pas une obsession. Et justement, ce qui va nous amener, du coup, à la prochaine photo. Oui. Celle-ci, on voit que tu as une longueur. Et c'est fou. Parce que tout à l'heure, tu nous disais que voilà, tes cheveux, ils avaient du mal à pousser, etc. Et quand on se voit ça, on se dit, mais attends, mais la go, ergole, elle fait des pubs pour L'Oréal, ils sont là, ils sont denses, ils sont volumineux, mais raconte-nous ton secret. Bah là, en fait, il s'est passé un long cheminement, honnêtement, depuis l'adolescence pour en arriver jusque-là. Moi, j'ai toujours eu un petit attrait pour le capillaire, pour les cheveux. Très tôt, je commençais à coiffer des têtes, des poupées. Donc, j'ai su tresser très tôt, même faire des nattes collées. Et à un moment donné, j'ai ressenti le besoin, vers l'âge de 15 ans, 16 ans, 17 ans, de prendre soin de mes cheveux. Mais je ne savais pas le faire parce que c'était tout le temps ma mère qui prenait soin de mes cheveux. Donc, j'ai commencé, catastrophe. Je les ai lavés avec un shampoing tout pourri qui me les a rendus tout rêches. Donc, c'était l'horreur. Et j'avais demandé à ma mère de m'aider à les démêler. Et en me les démêlant, franchement, j'en avais perdu beaucoup. Je lui avais dit, mais maman, est-ce que c'est normal d'en perdre autant? Elle m'a dit, mais oui, t'inquiète, c'est les cheveux morts. Donc, d'un côté, il y avait une part de moi qui la croyait. Mais de l'autre côté, il y avait une part de moi qui se disait, ben, si tu continues à en perdre autant, d'ici l'âge de 25 ans, en principe, normalement, t'en auras plus. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit que j'allais prendre soin de mes cheveux vraiment en autonomie. Sauf que je me suis cassé la figure, ça n'a pas marché. J'avais toujours ce problème du démêlage. Donc, pour y remédier, j'avais décidé de moins les démêler. Et qu'est-ce qui m'a amené les problèmes de démêlage? C'était en les lavant. D'accord. Donc, pour moi, il fallait que je les lave moins pour ne moins avoir à les démêler, pour ne moins en perdre, tu vois. je suis. Moi, je sais que quand mes cheveux, ils sont pas lavés pendant trop longtemps, ils tombent en fait, je les perds. Okay, donc c'est ce qui s'est passé à un moment donné, quand j'ai voulu faire le démêlage, je me suis mise à les perdre en masse. Donc je suis allée chez le coiffeur, ils m'ont dit, ah ben, vos cheveux, c'est la catastrophe, hein. Déjà il y a plein de queues de rats. Donc ils m'ont fait un défrisage, ils ont presque tout coupé. Et là je me suis promis que ça m'arriverait plus jamais. Donc j'ai commencé à chercher des tutos sur internet, sur YouTube. À l'époque, les Françaises, elles n'étaient pas vraiment dans la place. C'était vraiment les Américaines. Mais il y avait trop de routines. Du coup, je me perdais. Et puis, je ne savais pas trop quoi suivre, ce qu'elles faisaient. Tu sais, à l'époque, c'était le défrisage, les wraps. Moi, je n'arrivais pas à faire les wraps. Il y avait plein de trucs que j'arrivais pas à faire. Plein de techniques de fou, vraiment, là. En mode, tu tournes tes cheveux grave. Comme ça. Le lendemain matin, tu as les cheveux en fait, qui ressemblent à rien. Ouais. Moi, je l'ai testé. Mais... Moi, ça marchait. Enfin, j'arrivais pas. À un moment donné, j'ai fini par trouver un livre qui a vraiment révolutionné ma vie capillaire.
D'ailleurs, dans les accessoires, c'est ce livre que j'aurais dû ramener en troisième, mais je sais pas, j'ai oublié. Et donc, ce livre, il s'appelle The Science of Black Hair. C'est un livre qui a été écrit par Audrey Davis Sivasovi. En lisant ce livre, ça a été vraiment un déclic dans mon cerveau. J'ai tout compris. C'est comme si un puzzle s'était assemblé d'un coup. Du jour au lendemain, j'ai tout de suite mis en application les conseils que j'ai découvert du coup dans ce livre. Et au bout de quelques mois, je me suis mise à recevoir plein de compliments. Et est-ce que tu es passée par un big shop ? Du coup, j'ai fait le big shop, mais après, un compliment, deux, trois, les collègues de travail, les membres de ma famille que je vois pas régulièrement. Partout où je passais, je me suis dit, mais c'est pas possible, il faut vraiment que je fasse quelque chose par rapport à ça. Et donc, j'ai créé ma chaîne YouTube. Donc, la D'accord. chaîne YouTube Evazer. On va y venir petit à petit, comment tout ça est arrivé, comment tu as fini par exploser un petit peu plus tard. Vu que tu parles de YouTube, je t'ai connue en 2017. Est-ce que tu avais déjà à cette époque-là l'idée de Evazer ? Ok. Et en fait, j'aimerais que tu nous racontes un peu ton cheminement avant l'entreprise. C'est parfait, c'est la bonne transition, puisque du coup, la chaîne YouTube, au final, je l'ai créée pour ça, parce que je recevais énormément de compliments. J'ai fait quelques petits premiers tutos et à un moment donné, j'ai une vidéo qui a été vraiment beaucoup plus visionnée que les autres. Faut savoir que lorsque j'ai créé cette chaîne YouTube, je n'avais aucune ambition de création d'entreprise. Moi, dans l'âme, j'étais pas une businesswoman dans l'âme, tu vois. Ah ouais ? Absolument pas. Incroyable. J'avais un super taf, hein. J'étais coordinatrice de projet dans une boîte de conseil américaine. Il n'y avait rien qui me destinait à l'entrepreneuriat. La sécurité était là. Vraiment, je travaille, je gagnais bien ma vie, vraiment. Et donc là, cette vidéo est sortie. Et là, les gens qui me suivaient se sont mis à me demander, mais Eva, cette huile de ricin noire là, que tu utilises là, depuis le début dans tous tes tutos, est-ce que tu la vends? Puisqu'elle a l'air vraiment géniale. Et donc moi, j'avais un petit stock à la maison. Donc pour introduire cette huile, c'est de l'huile de ricin noir d'Haïti. Donc à l'époque, c'est mon papy qui me la fabriquait. Donc j'avais un petit stock vraiment personnel pour mon usage personnel à la maison. Et lorsque j'ai vu que les gens me demandaient si je la vendais, j'ai dit bien sûr. Je me suis dit testons, de toute façon je m'en fous, j'ai rien à perdre. Ce qui est génial avec internet, la magie de YouTube, c'est que tout de suite on peut toucher une audience assez internationale. Mon audience, c'était les femmes, c'est toujours les femmes afro-caribéennes, métissées, francophones du monde entier. Et donc j'expédiais les colis à midi et puis le soir, je rencontrais ma clientèle dans les gares parisiennes type Châtelet. Incroyable. Et du coup, j'échangeais des petites fioles que je remplissais à la main. Donc, tu allais vraiment au contact, tu n'avais pas peur, quoi. Non. Pour quelqu'un qui n'est pas du tout businesswoman, donné à tout le monde de se lever, d'aller à Châtelet avec ses bouteilles, faites maison, de remplir devant. Enfin, franchement, quand même, il faut avoir du culot, il faut avoir du cran. Tu trouves je dirais, ouais, je trouve. Ouais, je sais pas. J'ai l'impression, pour moi, j'ai l'impression que tout le monde. Pourrait le faire ? Ouais, si, tu vois. Non, je pense que tu te sous-estimes là, vraiment. C'est pas donné à tout le monde, vraiment, vraiment. J'aimerais que tu nous présentes tes trois objets favoris. Ok, donc mes trois objets favoris. Alors, celui-là, le premier, c'est un élastique pour faire des high puffs parce que lorsque je suis passée au naturel en 2014, ma première coiffure et la coiffure que j'adorais, c'était les high puffs. J'allais même à des entretiens d'embauche avec le high puff tellement que je me trouvais trop fraîche. Et donc c'est pour ça que des fois je me dis quand les gens ils se disent mais je veux pas aller aux entretiens avec mes cheveux, je me dis mais franchement moi ça me venait même pas à l'idée, je savais même pas que ça existait. Donc bon, tant mieux, vraiment. Tant mieux, franchement. Mais pas de limite, en fait. Vraiment. On est qui on est, en fait. C'est clair. Et à chaque fois que je suis allée avec un high puff, ça a toujours marché. J'ai toujours été embauchée. Il faut le dire. Venez avec vos high puffs, venez avec vos afros. C'est grave. Ils adorent. À chaque fois, on me disait, mais waouh, vos cheveux, ils sont canons. Tu peux nous présenter les autres. Alors, le deuxième accessoire, c'est un peigne. Alors, en fait, ce qui m'intéresse dans ce peigne, c'est le bout qui est très pointu parce que moi, j'adore avoir des coiffures sophistiquées. Bien plaqué, voilà, et donc pour faire le traçage, du coup, j'adore avoir des beaux traçages. Et puis enfin, le dernier accessoire, c'est un foulard en satin. Pourquoi ? Pour moi, c'est un fondamental, c'est indispensable à ma vie. Pourquoi ? Parce que j'adore porter des coiffures plaquées comme celles que je porte, et bien forcément, c'est le foulard en satin qui permet à ce genre de coiffure de tenir dans le temps parce que je me coiffe pas tous les jours, je peux pas avec la vie que je mène. Et donc, je suis bien contente de porter tous les soirs ce petit foulard en satin. Ok, super. Donc, vous saurez, je pense, où vous le procurer. Exactement. J'ai mentionné en introduction tout à l'heure que tu es toujours la cofondatrice de Evazer. Oui. Ce qui signifie que ton mari a rejoint, du coup, cette aventure, il me semble, en 2020, si je dis pas de bêtises. Mais depuis le début, en réalité. Voilà, depuis le départ. Ok.
Et du coup, j'ai une petite question. Est-ce que ça a été une évidence pour vous, tous les deux, dès le départ? Et qu'est-ce qui l'a motivé, en fait, dans cette aventure? C'est vrai que par rapport à mon mari, autant moi, j'ai pas la fibre entrepreneuriale. Je suis plutôt une artiste, on va dire, créative. Mais lui, par contre... Les chiffres, tout ça, c'est... Ah, mais lui, c'est vraiment un... C'est pas un entrepreneur, c'est un businessman dans l'âme, vraiment, pour le coup. Il avait déjà, tu vois, il avait déjà des activités. Du coup, quand il a vu ça, pour lui, c'était tout simplement normal pour lui de me rejoindre dans cette aventure. Le week-end, on allait ensemble. Du coup, c'était mon chauffeur. On allait livrer, du coup, la clientèle. On se baladait dans toute l'île de France le week-end. C'était très marrant. C'était sportif, j'imagine. Ouais. Et comment est-ce que vous faites pour maintenir un équilibre? C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui nous demandent, qui disent, mais purée, vous travaillez ensemble, vous vivez ensemble, mais ça doit être insupportable. Finalement, ça marche parce qu'on ne se marche pas sur les pieds. Personne ne va sur les plates-bandes de l'autre. Après, on va toujours avoir des projets communs. Je vais toujours lui demander des conseils parce que voilà, j'en ai besoin et lui aussi. Vous coordonnez bien et vous complétez bien au final. Tout à fait. Ça fait que ça marche, ouais. Je voulais revenir sur pourquoi Eva's Air en 2020. Pourquoi cette période? Pourquoi ce moment? Pourquoi est-ce que ça arrive à cette année, enfin sur cette année qui est quand même assez particulière, en plein Covid ou peut-être après Covid, enfin à voir. Est-ce que tu peux nous expliquer? Pour expliquer le cheminement des Vazers, puisque du coup, c'est pas une entreprise qui a été fondée en 2020, mais plutôt en 2019. Donc là, je fais un petit flashback. Il y a eu cette vidéo qui a fait exploser le carnet de commandes. Et donc, j'ai appelé mon papy. C'était mon papy qui l'a fabriqué à l'époque. Donc, je lui ai dit, mais papy, il y a un truc incroyable. Il y a plein de gens qui viennent en train de dire ça. Comment on va faire? Et là, il m'a dit, bah, écoute, on va mettre en place un projet. Donc ce projet, pendant un an, j'ai plein d'amis qui peuvent m'aider à produire de l'huile de ricin, donc on va le faire. Et puis toi, avec la famille, vous viendrez, comme ça on aura plein de valises qu'on pourra mettre à disposition pour que tu puisses retourner en France avec la marchandise. Et du coup, il faisait en Haïti directement. Voilà. Parce que tu l'as pas dit tout à l'heure, mais du coup, tu viens d'origine haïtienne. Voilà, je suis d'origine haïtienne, tout à fait. Donc il a produit en masse, de manière traditionnelle, dans le pur respect de la tradition haïtienne. En juillet 2018, on est parti comme prévu en famille pour récupérer la marchandise. En fait, c'était vraiment à des fins, tout était calculé. Donc on avait 8 valises à disposition, c'était génial. Lui, il avait réussi à produire 26 bidons avec son équipe. Au moment de revenir, manque de bol pour nous, on a été interpellés par les autorités douanières haïtiennes. Alors, l'avion devait décoller, l'équipage de bord nous a appelés. Oh, c'est dur. C'était digne d'un film. Bon, après, il faut savoir que Haïti, c'est un pays corrompu, je le rappelle à chaque fois, parce que du coup ça donne du contexte. Donc on est arrivé, ils nous ont dit voilà, les quantités que vous transportez pour un usage personnel, c'est trop, même si en réalité ben ils voulaient nous taquiner, ils voulaient juste qu'on leur donne beaucoup d'argent pour pouvoir nous laisser tranquilles. Et donc on leur a dit ben écoutez, nous c'est tout ce qu'on a, c'est tout ce qu'on a, on a mis tous nos efforts dedans. Là vraiment on peut vraiment rien faire de plus. Et donc en rentrant en France, sur les 26 bidons, on s'est retrouvé avec 4 bidons. Donc c'est vraiment cet événement qui a déclenché le projet de la création d'une entreprise. Donc de là, en fait, j'en ai parlé à ma communauté sur les réseaux sociaux. Je leur ai dit, mais est-ce que ça vous intéresse qu'on crée une entreprise pour pouvoir créer un site internet, pour pouvoir distribuer l'huile de ricin plus facilement? Et là, tout le monde était vraiment emballé par le projet et c'est comme ça qu'on s'est embarqué dans la création d'une structure légale Eva's Air. Au départ, on n'avait qu'un seul produit unique, donc l'huile de ricin noir d'Haïti, avec des accessoires, un foulard en satin, une brosse en poils de sanglier à l'époque aussi. Et puis, très vite, on a développé de nouveaux produits. Donc là, maintenant, on est sur une gamme made in France, puisqu'on travaille avec un laboratoire, on n'est pas chimiste. Et donc, voilà, à la demande de notre clientèle, on a fini par développer une gamme capillaire hyper ultra hydratante pour corriger la problématique des cheveux secs et cassants. Donc, c'est une gamme qui va comprendre un shampoing hydratant, un après-shampoing masque hydratant et puis une crème hydratante sans rinçage. On a lancé aussi des compléments alimentaires en février 2023. Là, du coup, tu as énuméré les dates et en fait, c'est hyper rapide. Tu nous dis que tu as démarré avec un produit telle année, puis ensuite l'année suivante ou deux ans après, tu démarres avec d'autres produits. Enfin, c'est allé vite. C'est vrai que ça allait vite. Là, je trouve qu'on est un petit peu au ralenti. On va lancer des nouveaux projets, mais encore une fois, moi, je trouve ça quand même phénoménal ce que tu es en train de faire, les marchés que tu vas viser. Mais justement, je vais revenir un petit peu sur l'aspect laboratoire. Ok. Parce que moi, je suis complètement étrangère à ce milieu de labo, un peu de cosmétiques, de tout ça. Est-ce que tu pourrais nous résumer? Oui. Comment est-ce que ça se passe, en fait, quand on décide de vouloir commercialiser un produit?
Bah honnêtement, c'est hyper simple. Il y a son lot de difficultés, mais c'est pas insurmontable. Donc, la première étape, c'était de chercher un laboratoire de cosmétiques capillaires. Donc je suis allée sur internet, Google. Et là, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a passé plusieurs entretiens avec plusieurs labos pour énumérer comment ils sourcent leurs matières premières, comment ça se passe en termes de formulation, en termes de production massive. Et justement, est-ce que t'as pas eu justement des difficultés avec toutes les normes françaises pour les produits? Est-ce que t'as pas eu vraiment des gros coups durs par rapport à ça? Non, parce que du coup, on s'est toujours efforcé de travailler avec des labos au top. On prend vraiment les labos qui font partie forcément de la Cosmetic Valley. Réglementairement parlant, c'est vraiment, ils sont au taquet. Et une fois qu'on a été satisfait à 100% de l'échantillonnage de la dernière version, on a incorporé notre clientèle dans le processus de fabrication, puisque du coup c'est eux qui utilisent les produits à la fin. Donc on a recruté notre clientèle qui se trouve sur notre communauté. Oui. Donc une belle palette de testeuses, 100% réelles. Et une fois que le projet, c'était vraiment d'arriver à 100% de satisfaction testeur pour lancer les produits sur le marché. En tout cas, je vois que ta communauté a une place très importante. Oui. Et je trouve ça cool de leur rendre de cette façon aussi. Parce que comme tu dis, en fait, c'est win-win. C'est-à-dire que ils vont forcément consommer. Donc tu leur donnes aussi la qualité et il faut ce rapport de confiance. Et je trouve que tu le maîtrises plutôt bien durant toutes ces années. Merci. Que ça continue de perdurer. Je te le souhaite en tout cas que ça puisse encore durer sur des années, vraiment. Et je vais revenir un tout petit peu sur tes origines. Oui. Tout à l'heure, on parlait d'Haïti, ton grand-père et de son savoir-faire. Je sais que du coup, tes origines ont une place importante, tellement que du coup, ton entreprise s'engage aussi à développer Haïti. Est-ce que tu peux bien nous partager un peu plus? Tout à fait. Donc c'est vrai qu'on a un produit qui vient d'Haïti, du coup, donc l'huile de riz saint-maur d'Haïti. On travaille avec quelques coopératives qui se situent à Quinscoff, Léogane, Coteau, Petit Gouave, pour ne citer que ces villes-ci. On finance des projets là-bas. Donc parmi nos projets, on va avoir le financement intégral d'une école qui compte aujourd'hui plus de 230 élèves. Et donc le fait de financer cette école permet aux élèves de bénéficier d'une scolarité gratuite, ce qui est très important pour nous. On va avoir le financement d'une organisation locale pour le reboisement. On permet à travers les coopératives à 76 familles de vivre exclusivement de l'activité avec Evazer. Donc ça, c'est des projets qu'on est très contents de mener à bien là-bas, parce que Haïti, c'est un pays qui connaît énormément de difficultés. Nos autres produits ne sont pas haïtiens, donc la gamme capillaire, elle est made in France, nos compléments alimentaires sont made in France, mais on a toujours cette petite marque, ce petit clin d'œil qu'on a besoin de faire à chaque fois. Et je vais revenir un tout petit peu sur ton lancement, donc en 2019. Oui. Est-ce qu'il y avait beaucoup d'autres marques françaises sur le marché à ce moment-là ou pas? Alors pour être honnête avec toi, j'étais pas consciente de la concurrence à l'époque. Parce que tu vois, lorsque je me suis lancée en 2019, on n'avait que l'huile de ricin. Ça veut dire que on n'était pas... Je connaissais même pas... Je ne connaissais pas, en fait, j'avais aucun regard sur la concurrence, puisque pour moi, il y a aucune autre marque qui vendait qu'une huile. Tu vois ce que je veux dire? Après, à l'époque, moi, je sais que le seul produit qui était similaire, c'était la Jamaican oui. Black Castor Oil. Oui, oui. Tu étais hyper focus sur ce que tu étais en train de faire et tu n'étais pas là en train de te comparer aux autres. Ah, en plus, c'était un tout petit projet, entre guillemets. Exactement, on n'était même pas dans une optique de marque. Qu'est-ce que tu penses de l'essor de toutes ces nouvelles marques, là, après Covid ou même pendant le Covid, françaises qui sont nées et qui en sortent en fait des produits de façon hyper fréquente? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Je trouve que c'est génial. Je trouve que c'est génial dans la mesure où on a besoin de propositions. Je pense que les femmes afro-caribéennes, métissées, ont besoin d'avoir la chance de pouvoir choisir, d'avoir le choix, quoi. Comme toutes les autres femmes de toutes les autres communautés. C'est vrai que moi, avant de consommer Evazer, j'étais une grosse consommatrice de produits américains, qu'avec des compos pas forcément clean. Je m'en préoccupais peu, des compos. C'est vraiment avec la création d'Evazer que je me suis dit, non, les compos, vraiment... Il y a des substances que je ne veux pas. Est-ce que tu veux bien nous citer des exemples, par exemple, même pour celles qui nous regardent, par exemple, qui ne seraient pas forcément éduquées à tout ça, quels sont des éléments qui seraient vraiment toxiques ou nocifs pour nous au quotidien? Les silicones. Le silicone, l'huile minérale, mineral oil, dans la listing key. Le pétroléum. Tout ce qui se finit en hum, en général. On a eu des compos avec les marques américaines. C'est incroyable, hein.
Il n'y a pas forcément de normes très très strictes par rapport à ça, mais ouais. Tu continues de vendre. Vraiment rien à voir, hein, parce que là, du coup, cet été, on s'est lancé sur le marché américain, et ce qu'on a constaté, c'est qu'eux, ils ne sont absolument pas dans le naturel. Donc, du coup, pour nous, c'est génial, puisque ça va être une casquette qu'on va pouvoir déployer. On va leur dire, voilà, on vous propose des produits à 97,5% d'origine, d'ingrédients d'origine naturelle. Et je vais continuer, du coup, sur l'évolution un petit peu du marché capillaire afro. Oui. Et notamment sur les influenceurs, les créateurs de contenu qui se lancent dans des marques, dans la création de marques pour les cheveux frisés, crépus et bouclés. Ou même, par moment, dans l'ouverture de certains salons de coiffure spécialisés. Ok. Et j'aimerais avoir un petit peu ta vision dessus. Qu'est-ce que t'en penses ? Bah, je pense que c'est génial. Pourquoi je pense que c'est génial ? Parce que je fais partie de ces gens-là. J'ai lancé une chaîne YouTube qui a fini par devenir une marque. Et donc, du coup, forcément, je dois être contente de voir toutes ces nouvelles marques éclore, que ce soit de créateurs ou ça me rappelle un petit peu moi, quoi. je comprends, mais du coup, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable, tu vois. Ouais. Je suis obligée. Bien sûr. Et qu'est-ce que tu vas répondre un petit peu aux gens qui vont dire, mais en fait, vous n'avez pas forcément ni les diplômes, ni la formation pour commencer à couper les cheveux des gens ou bien pour faire des produits aux personnes, etc. Qu'est-ce que tu leur réponds en termes de crédibilité, en fait ? Qu'est-ce que tu aurais à leur répondre ? Oui, moi, je n'ai pas de diplôme, hein, je ne suis pas coiffeuse, c'est vrai. Hein. En plus, c'est vrai, des fois, je sais que j'étais allée dans une école parce qu'on m'avait demandé de contribuer à la rédaction d'une formation. Par rapport à la coiffure, justement, pour l'entretien des cheveux texturés, BFC. Et quand je suis arrivée, il y a un monsieur qui m'a dit, mais est-ce que vous êtes coiffeuse ? Je dis, non, moi, je ne suis pas coiffeuse, je suis 100% autodidacte. Et la perspective des femmes autodidactes comme moi, elle mérite d'exister. Pourquoi ? Parce que c'est nous qui faisons l'expérience. Hein. C'est moi, j'étais cliente. Hein. Et je sais pourquoi je ne vais plus dans les salons de coiffure. Donc, il faut des gens comme moi qui existent pour dire... Ça, ce que vous faites, non. Ça, ce que vous faites, non. C'est telle pratique, cette manière d'accueillir la clientèle, cette manière de dire aux femmes quand elles arrivent dans leur salon, ben vous, vos cheveux, ils sont tellement crépus que c'est un défrisage par mois qu'il vous faut. Ben non. Donc, on est important dans cet écosystème et c'est pas parce qu'on n'a pas de diplôme qu'on n'est pas légitime. Moi, j'ai pas de diplôme de coiffeuse, mais je travaille avec des experts. C'est pas à moi d'être coiffeuse. Mais c'est vrai, je recrute les meilleurs experts. Donc, voilà. Je pense que le message est passé du coup. Lors d'un micro-trottoir que j'ai pu faire, j'ai posé la question à plusieurs femmes du coup afro-descendantes, ce qu'elles pensaient un petit peu du marché capillaire. D'accord. Et plusieurs d'entre elles m'ont répondu qu'elles étaient perdues, dans le sens où pour elles, il y aurait trop de produits. Et toi, tout à l'heure, je te sentais du coup positive quant à l'essor de la création de tous ces nouveaux produits. Mais qu'est-ce que tu aurais à leur dire du coup à ces femmes-là qui seraient perdues dans cette consommation peut-être un peu trop poussive, un peu trop capitaliste, quoi. Ouais. qu'est-ce que tu aurais à leur dire ? Bon, en fait, je les comprends. Je me mets à leur place, je les comprends. C'est vrai que quand on voit... Après, pour le marché français, je dis non, vous dites qu'il y a trop de produits, mais allez aux États-Unis pour moi. Il y a autant de produits qu'il y aura de femmes, qu'il y aura de demandes. C'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que les marques, on est dans une guerre de communication. Qui sera le plus vu ? C'est ça au final, c'est la personne qui sera le plus vue, qui raflera la mise aux marques de travailler pour avoir une identité qui est tellement attachante qu'on finit par vouloir tester ces marques-là, tu vois. En parlant de marques, on va parler de la marque Les Secrets de Loli. Ok. Qui est aussi une marque spécialisée dans le cheveu bouclé, frisé, crépus. D'accord. Et qui a, à tort ou à raison, souvent été accusée de texturiste par certains et certaines sur les réseaux sociaux en raison du manque de représentation des personnes afro-descendantes sur leur page Instagram notamment. D'accord. Mais aussi du fait de n'avoir qu'une seule gamme pour tous les types de cheveux et des produits avec une texture de plus en plus légère qui aurait été constatée par certaines consommatrices. D'accord. Considères-tu pour toi qu'il s'agirait d'un virage texturiste ? Alors moi, c'est vrai que pour donner mon avis en toute transparence, j'ai un énorme respect pour Kelly Masson. Et j'aurai toujours un énorme respect pour elle parce que je suis entrepreneur. Je sais à quel point c'est dur. À chaque fois qu'on me dit « Ouais, alors, ta marque, qu'est-ce que tu recommandes pour les entrepreneurs qui sont seuls ?» Moi, je leur dis « Rapprochez-vous de... Trouvez un cofondateur, dépêchez-vous, parce que c'est trop dur. » Moi, je respecte son travail parce qu'elle a ouvert la voie. Si elle n'existait pas, peut-être que Evazer n'existerait pas. Après, chacun fait ce qu'il a à faire. Chacun choisit son positionnement.
Je pense qu'elle a une stratégie précise en tête qu'elle se doit de suivre et chacun se doit en tant que marque de suivre sa vision, sa stratégie. Et toi, comment est-ce que tu décrirais ta vision de marque ? Alors, ma vision de marque personnelle, moi, j'arrive avec un positionnement qui est les femmes qui consomment mes produits s'identifient à moi. Je veux toucher les femmes afro-caribéennes métissées du monde entier. Et c'est pour ça qu'on a décidé de se positionner sur les États-Unis dès cette année, parce qu'en France, il n'y a pas, les études ethniques sont interdites, mais d'après les petits éléments qu'on arrive à quand même retrouver, il y aurait environ 2-3 millions, mon audience serait de 2-3 millions de personnes. Très vite, je vais avoir un plafond de verre. Et donc, pour pouvoir aller au-delà de ce plafond de verre, il me faut un positionnement mondial, rapide. Là, on parle d'un marché de 29 milliards de dollars pour les États-Unis, alors que la France, c'est 2 milliards. Ok. Voilà, tu vois, aux États-Unis, il y a des études sur le marché ethnique. On sait que le marché ethnique, c'est 12%, que la population afro-caribéenne métissée, c'est 12% de la population américaine, soit 44 millions de personnes. Donc, c'est presque la taille de la population française. Est-ce que tu penses qu'un produit est efficace? Qu'un seul produit, pardon, peut être efficace pour tous les types de cheveux? Un masque, un bon masque hydratant, je pense que ouais, pour tous les types de cheveux, ça peut convenir. Et un leave-in, par exemple, ou un shampoing, est-ce que... Sur ces produits-là, j'aurais un peu plus de mal à me positionner. Et même quand, par exemple, certaines personnes disent « tout est une question de dosage », parce que souvent, j'entends « voilà, ce produit est fait pour les cheveux de wavy ». Donc, tu vois, par exemple, une personne blanche avec les cheveux, on va dire les termes, avec les cheveux très 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 ondulés, jusqu'aux cheveux crépus. Et par moment, tout ce que la marque peut dire, c'est pour les cheveux crépus, il faudra en mettre plus, et pour les cheveux wavy, il faudra en mettre moins. Tu en penses quoi, cet argument? Je trouve que c'est pas faux. C'est vrai que des fois, on peut jouer avec la quantité. Ok. Sans pour autant dire que c'est tout à fait véridique non plus, parce qu'il y a des substances, il y a des produits, même en quantité plus importante sur un cheveu crépus. Le cheveu crépus ne veut pas forcément bien boire le produit. Et avec toutes tes activités, Eva, oui, que ce soit la création de contenu, que tu ne fais plus vraiment toute seule, de ce que j'ai compris maintenant, que tu es bien entourée quand même. Si, pour l'instant, c'est seule. Avec YouTube, l'entreprise, la vie de famille, mais comment est-ce que tu t'organises? Est-ce que tu pourrais nous rassurer un peu toutes là, tu vois, qui en plus, nous, par moment, on peut aussi s'identifier à toi ou pas, parce qu'on cumule toutes des activités, plusieurs choses, on a plusieurs facettes, on n'est pas qu'une seule face. Donc, dis-nous un peu tes tips. Ah, ça demande une organisation assez extrême, hein. C'est vraiment, tout est noté dans mon agenda, tout est calculé à la minute près, parce que sinon, si ce n'est pas noté, j'oublie. Dans ma vie de chef d'entreprise, il y a des périodes où je vais tout bloquer pour faire de la création de contenu. Après, la vie de famille, au départ, ce que je faisais, c'est que quand je rentrais chez moi, à la fin de ma journée de travail, je m'occupais de ma fille. Après, une fois couchée, je reprenais Evazer. Finalement, je ne le fais plus ces derniers temps, je suis très fatiguée. Et justement, tu parles de ta fille. Oui. Parce que je sais que tu es une jeune maman. Tout à fait. Et je voulais savoir, comment est-ce que tu fais pour donner de la... Je sais qu'elle est toute petite, hein. Oui. Mais comment est-ce que tu comptes faire pour lui donner confiance en elle, en étant une petite fille noire avec des cheveux crépus ou frisés? Quels sont les conseils que tu donnerais ou que tu donnes déjà à ta petite fille? C'est vrai que j'y pense tout le temps. Tout le temps, je me dis, mais comment je vais faire, comment je vais faire? Après, je me dis, en fait, pour pouvoir l'aider, c'est le modèle. Donc, m'efforcer de toute manière par rapport à ma vision de la vie, ma personne et même mon activité. Je porte 100% du temps mes cheveux au naturel. Donc, pour elle, en termes de représentation, ça va être facile. Je suis une femme noire, donc si elle me trouve belle, forcément, elle aura peut-être plus de facilité à se trouver belle aussi. Je suis très à l'aise dans ma peau, donc j'aimerais lui transmettre ça. Le fait d'être confortable dans sa peau pour pouvoir avancer au mieux dans la vie. Là, la dernière fois, c'est vrai que des fois, il y a des choses qui me surprennent parce que je trouve que c'est de bonheur. Avant, c'était quand? Il y a 4 jours, elle m'a dit « Maman, je veux une queue de cheval ». Je me suis dit « Mais elle a 3 ans, elle commence déjà à me dire des trucs comme ça ». Donc, j'ai dit « Mais ma chérie, oui, tu pourras avoir une queue de cheval, mais là, pour l'instant, c'est mieux que tu portes tes cheveux comme ça ». En ce moment, je lui fais tout le temps des tresses collées. D'accord. Et je dis, c'est comme ça que tes cheveux sont, et t'es très bien comme ça. Je lui ai pas demandé pourquoi elle voulait une queue de cheval. La prochaine fois, je lui demanderai si ça revient. Je pense que oui. Ses copines, j'en suis sûre, ses camarades à l'école. Et je pensais pas que c'était dès l'âge de 3 ans. Ça commence de plus en plus tôt. Hein. Ouais, ça me surprend à chaque fois. Je me dis, ah oui, moi je sais pas. Pour moi, je me souviens pas que c'était si tôt que j'avais ça. Donc, c'est vrai que j'ai peur des fois. Hein. Je me dis, j'espère qu'elle va pas se sentir comme moi. Enfin voilà quoi. Qu'elle sera tout de suite confortable quoi.
que ce sera pas, qu'elle aura pas besoin de faire ce long cheminement, cette quête existentielle. Ouais, vraiment, le but c'est que ça n'existe plus. Ouais, voilà, j'espère. Donc. Tout à l'heure, tu me disais que tu n'avais pas forcément toujours eu cette confiance en toi. Oui. Comment est-ce que ça t'est venu? Comment est-ce que ça t'est venu et comment est-ce que t'as pu travailler dessus en fait? Bah, la confiance, c'est les livres. J'ai tout appris dans les livres, les cheveux dans les livres, la confiance dans les livres, la peau actuellement dans les livres. j'étais une femme qui avait beaucoup de mal à dire non. Je disais tout le temps oui alors que ça m'arrangeait pas des fois. Et puis j'étais tout le temps angoissée par rapport à mes propres choix. C'était incroyable ma vie. J'étais vraiment pas bien dans ma peau. Et puis j'ai fini par trouver un livre qui s'appelle Ask and It Is Given. Et ce livre, il a été incroyable pour moi parce que du coup, il m'a permis d'apprendre à comprendre mes émotions. De savoir que la vie, en fait, c'est pas ce qui arrive, c'est pas de la chance, c'est pas un miracle. C'est, en gros, tu dois avoir un projet, une vision, et puis la vie te donnera des chemins. Il y aura un GPS qui va t'indiquer comment aller à ça. Je voyais les réussites de tout le monde, je disais, mais waouh, génial, elle a de la chance et tout. Mmh. Et puis j'avais peur que ce que je voulais ne m'arrive pas. Sans comprendre que c'était à moi d'aller, de suivre le cheminement. Ça a changé ma vie, puisque du coup, je me suis dit non, mais mon destin, en fait, il est dans mes mains. Et puis, j'ai appris aussi à dire non, parce que je pensais qu'au fond de moi, quand je disais non à quelqu'un, c'était comme si j'avais peur qu'on m'aime plus. Et donc, j'ai appris à comprendre que tu peux dire non, ça ne veut pas dire qu'elle sera fâchée contre toi ou qu'elle ne voudra plus être ton amie, tu vois. Ouais, je vois très bien. Et donc, je pense que ça, on pourra aussi en parler à certaines et certains qui nous regardent. Ouais. C'est important ce que tu nous dis. Et donc, j'étais ce genre de personne et je remercie le ciel de plus être comme ça parce que c'était une vie très, très, très angoissante. Hein. Et on arrive à la fin de l'émission. Tout à fait. Et j'aimerais savoir, du coup, quel est le prochain invité que tu aimerais voir dans Curl Talk? Le prochain invité? Alors, l'ombre de responsabilité. Ouais. Je sais pas. Tu peux m'aider? comme tu sens, ça peut vraiment être dans tous les domaines, que ce soit sportif, artistique, intellectuel. Ok. Bah alors là, en fait, je pense tout de suite maintenant à quelqu'un, donc Olivier Sarva, qui est le député qui a apporté le projet de loi contre la discrimination capillaire. Et là, étant donné qu'on a un événement qui va arriver, donc la journée internationale, tu y seras hein, d'ailleurs, hein, donc la journée internationale des cheveux texturés, le 26 octobre prochain, il sera là aussi. Et donc, je trouve qu'il a apporté une belle valeur ajoutée aussi à la communauté des cheveux texturés. Donc, je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir sa petite perspective. C'est la fin de l'émission. Merci à vous de nous avoir regardé jusqu'au bout. Merci à toi encore, Eva, d'avoir accepté mon invitation. Merci, Océane. Est-ce que tu as des projets à nous communiquer? Alors, pour les projets à communiquer, le prochain grand événement qui arrive à très grands pas, là, c'est la Journée internationale des cheveux texturés. Donc, c'est une journée internationale qu'on a fondée avec la marque Evazer l'année dernière, en 2023. La prochaine édition se déroulera ce 26 octobre 2024 à 11h à l'espace Carpeau à Courbevoie. On attend 500 participants, ça va être incroyable. Il y aura le député Olivier Serva, il y aura Océane. Je serai là, donc venez. Ouais. Et plein d'autres invités mystères que vous allez adorer. Donc on espère vous avoir nombreux avec nous. Hein. Les billets sont disponibles sur Eventbrite. Donc vous pourrez retrouver les billets du coup sur tous les réseaux sociaux d'Evazer. Je mettrai aussi le lien en barre de description. D'accord, ok, merci beaucoup Océane. Il n'y a pas de soucis. N'hésitez pas aussi à suivre Eva sur tous ses réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, sur YouTube. Je ne sais pas si tu es sur TikTok. Oui, on est sur TikTok également. Donc voilà, ils vont s'afficher juste en bas. Nous, on vous dit à très bientôt et n'oubliez pas, dans Curl Talk, on parle cheveux, mais pas que. Ciao, ciao. Ciao.